Bonjour à tous, c'est Trendy Show. On se retrouve pour une autre vidéo. Donc cette vidéo sera une deuxième prise d'otage, mais cette fois je serai le négociateur pour cette prise. Donc tout va bien se passer, on va sauver l'otage. Il y aura un deuxième otage, mais il va essayer de partir en courant, donc il sera abattu, donc tant pis, dommage pour lui. Hein. J'arriverai à sauver l'otage, mais les premiers otages seront abattus aussitôt. Donc tout s'est bien passé, aucune perte, à part des premiers otages. Hein. Allez, bon visionnage. Et avec l'argent. Oh, j'ai vu tout est réarmé sur la map. 2 millions. Ah, ils ont le droit à 1 million par personne. Non, mais c'est sur la prise d'otage, je veux dire. Non, ils ont pas le droit de faire une prise d'otage avec plus d'un million. Mais c'est... Non, c'est pas plus d'un million par personne. Sauf que s'ils ont deux otages, les gars. Ils ont deux otages. Sais, hein, c'est ça, c'est pas plus. Ah oui, Douchka, ici. Il y a un Hachmet. Où ? Non, non, c'est sur la prise d'otage. J'ai mis un point de Douchka sur la prise d'otage, je sais pas si vous voyez. En rouge, je suis où là ? Non, on le voit pas. J'ai pas mis la bombe. Ah ouais, merde. Donc elle est où la prise d'otage? C'est là où il y a déjà le point? Ouais, il y a point prise d'otage et où il y a homme et tout terrain, j'ai vu. Et il y a notre tout terrain armé qui se déplace, je sais pas, il se déplace vers le nord, tout terrain armé qui se déplace vers le nord. Moi je vais arriver du sud, ça va être parfait, je vais être de l'autre côté par rapport à vous. Il y a un Hachmet. Je crois qu'il y a deux tout terrain armé. Je vois l'Hachmet. Il y a deux tout terrain armé, je l'ai vu passer. Michel, il y va ou pas? C'est bon. Quoi? Bah, je suis à 90 de ping, ça me saoule. Là. Toute la journée, ça a pas bugué. Et là, télévision, 36 000 pages Facebook avec des jeux qui s'actualisent et tout. Ça me rend ouf. Ça fait de ouf, ça. Regarde, je vais. Double Douchka à l'entrée, il va pas les choses entières. Voilà, c'est ce que j'avais vu. Il y a deux Douchka ronds, enculé. De merde. On a une estimation à peu près de combien ils sont. Alors attends, je te dis ça. Il y a un mec dans la Douchka en tireur. Il y a un ifrit quelque part aussi. Il y a deux ifrits, un hélicoptère. Ouais, un mec dans la tour au premier étage. C'est organisé, c'est fiotes. Ok. Tu peux pas y aller, t'as tout le monde et puis te casser. Non, ça marche pas comme ça. Il y a deux Douchka, une dans chaque angle. Et des tireurs ou pas sur les Douchka? Il y a un tireur sur une Douchka, deux tireurs sur chaque Douchka, sur chaque Douchka. De toute façon, faut savoir que Douchka peut pas tirer sur l'infanterie. Hein. Il y a sur chaque Douchka. Ah, ils ont pas le droit en Douchka de. Non, non. Okay. Est-ce qu'il y a un bon pote de snipe? Non, que dalle, il y a rien du tout. Il y a pas de point de snipe. Ah, quoique, il y en a un. Où je te mets, et sur le traitement de sable, c'est pourri ou quoi? Ouais, c'est ce que je te dis, ce que je t'aurais dit en fait, si je t'aurais dit ta match. Et sur Adios Minas, sur la genre de petite chapelle là. Qui était s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors... Non, je pense que au point que je t'ai mis là, t'aurais dit pas. Les gars. Monsieur, identifiez-vous. Je suis le capitaine Sistrandi pour la négociation, hein, comme vous m'avez appelé. Attendez ici. Je bouge pas. Un homme au lynx devant moi. Au coin par là, t'auras mon. J'ai visu sur toi, Steve. Hein. J'arrive. Je suis placé, moi. De visu, j'ai trois hommes. Enfin, j'avais. Tu penses si on traverse la route, monsieur, là, en fait. Je suis pas là pour parler, je suis là pour donner. Non, en plus, mes propositions et mes instructions. Dites-moi. Premièrement, pas un policier à 1 km. Je comprends que vous devez être en sécurité, mais je veux 1 km de distance. C'est respectable. C'est respectable, je vous l'accorde. Vous alors attendez, merci. Je pense pas ensuite, qu'il y ait une personne l'argent dans le direct, point. Je veux bien que c'est peut-être difficile, d'accord. Vous montrez les otages ici, je vous rappelle pas. User joined your channel. 2 millions, 1 million par tête. Qui arrive quand vous voulez, mais pas en hunter. Prise d'otage. Que ce soit un hélico, un pick-up, un... Vous êtes en prise d'otage. Kinez, c'est trop cher. Ouais, par contre... comme vous avez abattu un homme qui venait pour Ok, diminuez là le prix si vous voulez, parce que c'est une erreur, monsieur. Voilà, tout à fait. Dessus avant. À combien? 1,5 million? On va partir déjà sur un petit million cinq, ouais. Et après je verrai en fonction des. 1,5 million, c'est respectable, monsieur. Oui, je oui,
c'est exactement. Allez, je vous suis pour les otages. Venez monsieur, je préfère changer d'angle. Aidez-vous. D'angle. Voilà. Je me sens plus en sécurité. Ah d'accord, ok. Moi aussi je l'ai. Ah, vous voyez bien que monsieur, j'espère que vos hommes ne vont rien tenter. D'accord. Il n'y a qu'une issue. Cette issue est bien gardée. Oui, je les vois ça. Les otages sont bien gardés aussi. Allez, ouais. Bon monsieur, je vais vous montrer les otages. Envoyez déjà la communication pour ce qui est de... Allez, de l'argent, monsieur. Attendez, par contre, je vais voir juste les otages et après... on verra ça à l'argent s'ils sont en bon état, en bonne santé. Et après je communiquerai avec mes équipages pour la venir amener l'argent. Ou alors j'irai la chercher en fonction des disponibilités. Allez, je vous suis. Je suis longtemps. Ouais, je sais. Excusez-moi si je répare parce que de toute façon il n'y aura pas pour le retour. Autant arriver discrètement. Mètres à courir. Et à quoi au balcon? Je vois rien. On descend sur le premier balcon. Vers la droite. Je peux aller leur parler directement dans la tour, ça sera plus rapide je pense. Ah ouais, qu'est-ce qu'on peut se mettre dedans? Non, non, vous ne pourrez pas aller dans la tour monsieur. Ouais, la petite église c'est bien. Gardez-moi en joue si vous voulez. Gardez-moi en joue si vous voulez. Non, non, mais c'est, je veux pas que vous connaissiez notre nombre. C'est point de vue stratégique. Ouais, la petite église. Ils vont aller au balcon, vous les verrez. Je vais aller vérifier si la personne. Ok, y a un mec dans la tour. User left your channel. Très bruyant, donc ils sont un peu... Ouais, le mec dans la tour. Et très lent à la détente. Par contre, quand ils seront descendus sur le balcon, je pourrais aller les voir ou... On est où de la négociation, là? Ouais, vous pourrez aller leur parler, mais vous ne pourrez pas... Parce que, regarde, vous pourrez pas regarder mes hommes. Arrête-toi, Adrien. Je vais me couvrir. Non, reste là. Je peux attirer. On regarde les points que je vais te mettre. Oh, mais n'importe quoi, monsieur. Alors lui... Il y avait une quoi, là, Dushka? Donc, on a eu un problème. Il y a le l'otage qui s'est échappé, il a été abattu. Bon, mais... à la Dushka, donc, ben, déjà. Par contre, fallait peut-être pas... Je vais faire ce petit chemin, fallait peut-être pas tirer. Si, il était abattu à la Dushka. Avec le pick-up. Armé, parce que c'est un peu... Ah, tu leur dis bien si... Non, Steve, il a pas été. Tu vois, les points là-bas, tu fais ça. Ok, oui, j'ai compris. C'est qui a tué l'otage, là? C'est qui a tué? C'est une Dushka, là? Alors, attention... Ouais, je savais très bien que c'est une action... YOLO! Je vais pas dire le mot, mais vous voyez quoi, ce que je veux dire. Hein. Je vois, tout à fait, c'est pour ça que... Ne casse pas, s'il te plaît. Alors, ouais, il y en a un là, dans la... Une barrière, là. Une barrière. C'est pas que... Que je vous remets à... Que je vous dis ça, justement... C'est complètement... Il y en a toujours un. Je pense que je peux arriver par mon côté et neutraliser la douche car. S'il vous plaît, merci. Parlez moins fort s'il vous plaît, mais parlez. Bon, du coup, il en reste qu'un. Monsieur, vous êtes très coopérant, mais ce sera sous nos conditions. Hein. Vous savez très bien ce qui va se passer si vous n'acceptez pas les conditions. Je sais qu'on est en train Steve, mets leur un avertissement pour la douche car. C'est pas trop le problème, on a toujours un otage. Donc déjà, vous avez... vous avez l'avertissement pour la... Pour l'assassinat, hein. Donc vous pouvez retenir, vous comprenez, pas besoin de l'expliciter. J'espère que ça se reproduira pas. Monsieur, vous savez très bien que c'est pas notre faute. C'était une action totalement YOLO. Non mais quelqu'un d'autre puisse s'en occuper de son cas au petit fuyard, vous inquiétez pas, hein, on va pouvoir s'arranger à tout. Ok. Donc voilà, déjà je retiens ça. Aucune pitié monsieur. Ensuite, ouais je comprends mais la pitié vous savez ça peut amener à plusieurs problèmes. Ouais c'est bon je leur ai dit. Il en reste encore un. Il y a un mec dans la tour. Un mec au sol avec mon lynx. Voilà l'otage est là. Et deux mecs dans les douches quoi. Et le gars qui est dans la tour, tu vois de quel côté? Michel a caché le cœur. Si vous voulez. Ok, alors, attendez je le vois pas par contre. Ah c'est bon je le vois. J'ai pas pu éviter. Il est au premier étage de la tour fermée. Et donc il a pas de visu sur l'extérieur. Point. Non mais il va là dans la tour. Allez parlez lui là. Aidez-moi, ok monsieur le tag, ok monsieur. Est-ce que vous allez bien? Je vais bien monsieur. D'accord, vous avez à boire, à manger? Ah merde. J'ai un il est pas armé dans la tour, il spot. Vous avez pas de la nourriture pour lui? On a tout ce qu'il faut monsieur, on a pris. Oh Michel, piquez-moi hors de sniper. On a donné lui à manger.
Sauf qu'il est pas en bonus santé. Collègue, donne-lui à manger là, donne-lui à manger en haut. Vas-y, oh putain, ils vont voir l'avantage, les enfoirés, il fait jour. Il est Ah merde, j'ai pas sniper, putain merde. Le rebelle est en... Voilà, mon collègue va lui donner à manger, il est en sécurité. Mes hommes ne veulent pas lui faire de mal, à moins que vos hommes s'approchent. Ils ont plus qu'un otage. Ne inquiétez pas, ils vont pas s'approcher, ils vont pas s'approcher. Je leur ai dit de rester très très près. Coucou Mello. Au pire, Michat, c'est quoi la montagne juste à ta gauche là, elle est parfaite. Il reste combien de temps là? T'as un bon visu sur... 20 minutes. 18 minutes. Ah ouais. 19. Ouais, attends, je vais monter, je vais te dire ça. Pour ça le fait. Point homme, c'est on certain qu'il y a quelqu'un là-bas? Non, non. Il y a eu cliné, un passage il y a longtemps. Cliné. Donc, j'ai vu l'otage, il est tout seul. Attendez, on parle. Ouais, donc... ce qu'on va faire, donc, vu qu'il reste qu'un otage... User joined your channel. Salut tout le monde. Vous avez vu ce qu'il a fait, il a essayé de se suicider, il a pas réussi. D'ailleurs, je sais pas comment ses jambes elles ont survécu. Oui. Je sais, j'ai bien vu. On a pu s'en occuper autrement, hein. On a pu envoyer autre chose. Du coup, comme le monsieur avait un peu la faim. Monsieur, vous êtes lent là, je veux mes 1,5 million. Par contre, on n'aurait pas 1,5 million pour un otage, hein, ça je vous le dis. Merci monsieur. Pas un... 1 million, dernier mot, point à la ligne, ramenez l'argent, perdez pas de temps monsieur. Non, pas d'un million, je vous propose, de 800 000. Donc dépêchez-vous. Vu ce qui s'est passé dans cette enceinte, je vous propose 800 000. 1 million monsieur, point à la ligne. Non, les gens qui sont en position. Alors que pas. Votre bonhomme, le bonhomme avait faim. Non, Micha, j'ai un bête de visuel. Je suis désolé, mais moi j'ai un million ouais. Par tête. Ah, non, dit à la en fait, base, j'ai pas trop de pistes. Enfin, j'ai tombé sur les véhicules. 1,5 million divisé par 2, ça fait 150 000. Encore en négociation, la plus d'étage. Je vous fais ouais. Peut-être 50 000, c'est généreux. Ça va, je suis MTT en fait, pas derrière. Ouais, c'est que là. Vous avez vu du monde autour de la prise. Certes, mais bon. On avait vu que deux touches. Un ifrit. Un autre ifrit, un hélicoptère. Oh, oh, en haut là. Sur une balle à côté de l'otage, fais-lui peur. Monsieur, faites vite. Voilà, vous faites, vous aggravez votre cas, vous aggravez le cas là. On n'aggrave pas le cas, je veux 1 million. Monsieur, sérieux, faites vite. Non, ok. Coupons la porte en ce moment-là. Africain, monsieur. Vous avez des MK14, des genres de trucs. Ouais, mais bon, on n'est pas riche non plus. Hein. Comprenez-nous un peu, hein. Oh, monsieur, stop là, je veux mes 1 million, ramenez-les en sauve-hunter. Voilà, ouais. Il faudrait qu'on ait un moyen de savoir combien d'argent on les gagne sur eux. Ok, je vais donc. Parce que c'est RP au final, parce qu'on a le droit de savoir. Je décolle pour aller à. Ouais, j'avoue, parce que des fois j'ai. Ouais, de la même manière que. Et je vous reviens vous l'amener. Ça va, on va être patient, monsieur. Par contre, un truc, dites à vos hommes que je vais. Ah non, ça sert à rien, c'est bon, non. C'est bon. Non, c'est bon. Oh, allez, je reviens. N'ayez pas peur, je reviendrai. Ah oui, n'oubliez pas, monsieur. Hein. N'oubliez pas, monsieur, que... Vous voyez, moi, je suis au snipe, là, mais je suis à côté de vous, donc malheureusement, je suis pas en position, mais je suis pas le seul. Et donc, c'est les 1 km qui doivent être respectés. Répétez-le bien, que ce soit clair. Oui, ce sera respecté, vous inquiétez pas. Hein. Ok, monsieur. Cachez-vous tous, là, il est au sniper, il est dans la tour pour vous spotter, donc... Ouais, je vois. J'ai la tête du gars à la douche, quoi, dans mon visage. Ouais, mais de toute façon, les mecs à la douche, ils pourront rien faire quand ils sont sur la douche. Donc on pourra les abattre plus tard, au pire. Oh, belle arme. Ce que toi, Hugo, qui décolle. C'est moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'attirer à retirer 1 million. Ah, putain. Moi, je suis en position, hein. Je suis à côté. Un mec à la... Oui, mais on va pas encore agir. Quand vous voulez. Au DP11, y a pas d'ATM. Non mais ça s'appelle gagner du temps, ça. Non mais je suis d'accord, mais je veux dire, au cas où je pourrais prendre, vu que je suis au DP11. Quoi faire? Quelqu'un répond à Thomas, là? Une dose. C'est au gendarme de répondre. C'est Windows ou Shift P? Shift C? C'est Windows. C'est Windows d'origine, je le fais si vous êtes sur l'action, vous en faites pas. Vas-y. Donc du coup là, ça va être... ce qu'on peut faire, c'est là c'est des BR. La CDR, pseudo c'était quoi, mec?
Thomas Four. Thomas et Four, okay, c'est mon URS. GG, merci. Parce que là, là de mon long, côté, quoi. De mon côté, je peux plus DR, c'est un mec. Quoi? Je suis spoté. T'as spoté? Oui. T'as tiré? Non. Mais mon perso, il se lève tout seul, c'est quoi ce bordel? Quoi ce couille? Et d'ailleurs, y'a pas un truc genre prise de d'otage, il faut pas qu'il y ait plus de preneurs d'otages que de flics connectés? Non. I need ammo. Ah. C'est un peu problématique. C'est chlorétique. Moi je vais pas y aller tout seul hein. Là, c'est pas gros non. Fait quoi non mais les chlorétiques faut qu'ils arrêtent de nous provoquer un gunfight parce qu'on est pas là. Il va me viser le gars. Il va me tirer dessus. Recule, va-t'en. Non mais si je bouge il va me sauter, il me télémètre là. User joined your channel. Il est où le gars? Il est dans la tour? Dans la petite tour à l'arrière. La petite tour. Petite tour. Il y a un mec dans la grosse tour surtout. Non, s'il faut, je peux fumer. Hein. Non, ah ouais, je le vois le gars. Tirez pas, tu vois au top. Non, non, j'ai pas le tir dessus. Le gars en ghillie à 400 mètres. Il... 400 mètres. C'est un Micha ça. Ouais, c'est un Micha ça. Soit Adrien, soit Micha. Non, je suis pas en ghillie moi. Ouais, et je suis à 130 mètres. Moi, en tout cas, c'est impressionnant quand même. Comme il m'a vu, je suis dans un buisson quoi. Tu as mes larmes dans le dos et tu... C'est Mélo ça qui s'est fait repérer à 400 mètres. Non, non, je suis à 800 mètres. Non, il est pas en vie suite. Ouais. Et c'est impressionnant comment tu m'as grillé. C'est impossible comment tu m'as grillé sans faire le petit 2. Picard. Non, moi je suis à 800, 900 mètres. Et non, mais écoute, il y a que Micha quand même. Et moi ils peuvent pas me voir, je suis en contrebas d'une montagne de l'autre côté donc... Ouais, le relief de temps en temps. Je reviens sur zone. De toute façon s'ils se barrent en terrestre Ils ont pas d'hélico de toute façon. Si, il y a un hélicoptère mais on pourra la battre parce qu'il décolle. Pour venir sur la zone passe par le traitement du sable. Traitement du sable. À gauche. Ok. Du coup s'ils partent en terrestre, moi je pourrais les suivre en hélicoptère jusqu'à ce que vous arriviez. S'ils partent en hélicoptère, il y a moyen que vous les abattiez. Donc je vais procéder à... Est-ce que je poserais pas une petite herse là, juste là où je suis? Ah oui, il fais gaffe parce que les herses, ça peut se faire spot hein, si jamais la voie se déplacer sur la route. Ouais. Mais là peut-être qu'il faut être en place. Mais je suis pas toi, côté là. Route, je suis hein côté de l'autre côté. Ta route en terre, là, de l'autre côté, ça se voit pas trop de merde. Larry, comment t'es à côté? Je suis dans un petit bâtiment là. Ah, je te vois, c'est abusé côté à... Il y a un hélico sur une montagne. Au loin, un hélico rebelle. Okay, ouais, je mettrai pas sur Ammoni là. Je vais dire où est-ce qu'il est. Alors attends. C'est marqué Ammoni normalement. Sinon on tient le reboot. Là. Ouais, sur Ammoni, ouais, bien vu. Ouais. Mais j'ai pas vu, hein. Je l'ai pas vu. J'ai regardé, mais j'ai rien. Je vois le mec, il a pris son hélicoptère. Sur Ammoni, c'est-à-dire qu'il est... Ok. Sûrement c'est ça. Oh, non, je peux pas l'avoir. Après, il est assez loin de vous, hein. Presque un kilomètre. Je vais essayer de vous passer un plan. Voilà, ouais, personne ne se répond pour ça. Oui, qui parle de pêche, les deux cons. Ah, je m'étais fait spot, c'est un hélico de chez nous. Ah mais il doit parler avec l'otage je crois. Et ils sont l'otage. Je sais pas du tout. Hélicoptère sinon. J'ai pas de visu de là où je suis. Ah il y a deux hélicoptères. Dans une petite baraque moi. T'as l'arrêt t'es à côté toi. Ah ouais bah là je suis trop bien calé. Il est plus près de l'action c'est... Premier à intervenir. Ouais, fumer t'es sérieux. T'as quand il fait jour il pleut, quand il fait nuit il y a de la boue.
Et ben là il pleut. Voilà messieurs, je suis de retour. Ok, il y en a toujours deux au pick-up. Bonjour, au pick-up oh bonjour. Ouais, monsieur, pourquoi tu sors comme ça dans la zone de 1 km là, ouais, je vais... Moi j'ai un gomme vraiment... Je suis pas content là. C'est quoi ce type anguillou? Le type anguillé à 400 mètres là. En Guilly Suite. Condition de merde. Sauf que Guilly Suite, c'est pas de la gendarmerie. Il aurait pu se faire abattre, monsieur. Heureusement que je suis négociateur et que ça se fait pas. Hein. Ah ben, peut-être, mais en Amérique, comme vous le voyez, ils sont habillés comme moi. Un 12,7 mm dans la tête, ça me démangeait, là. Eh ben, vous auriez tué un rebelle, écoutez. Parce que les gendarmes, ils sont habillés comme moi, et en aucun cas, ils seront habillés de Guilly Suite. Hein. Monsieur, ce n'était pas un des vôtres ? Sniper, je leur fais croire que Micha, c'était pas un de nous. La Guilly Suite, monsieur, le gars en Guilly Suite, c'était pas un des vôtres. Bah non, ils ont vu mon nom, ils ont fait des petits deux. Non, mais bah, il me semble pas, non, ouais. Monsieur, pourquoi il s'est déplacé après que j'ai envoyé le message? C'est arrêtez de mentir, monsieur, c'est un démon. Bah, je sais pas, si vous le visiez, peut-être... Ah, t'es même planqué pourtant, Micha, un armentier de voix. Si vous l'avez vu, tu me vois là, tu me vois là, Milo? Ah ouais, moi, je suis sur la colline. Bon, monsieur, et tu me vois là ou pas? Ouais, ouais, ça, je prends le screen. Invisible, derrière ton rocher. Propre, c'est... Il y a trois snipers. Je t'ai pris 4 screens en dézoomant les JVM. Oh, les télémètres. Et encore je suis pas en face de toi donc je te vois vraiment à peine. Tu me prendras une page Lovera pour que j'ai un petit ouais. Scan de moi. Je veux juste en fusil. Tu le rends 4. La transaction monsieur. Non d'abord je veux l'otage d'abord. Je veux l'otage. Je transfère pas l'argent tant que j'ai pas l'otage à côté de moi. Monteur, avec des étages. Knitias. Avec pardon quelqu'un qui va le pointer, ça va, je vais ramener ici. Vous allez amener votre hélicoptère à l'intérieur de la zone. Ouais. Puis vous allez monter tous ensemble, tranquillement. Je suis un 2-3 soleil avec eux. Chacun repart dans son hélicoptère comme si de rien n'était. Il n'y a pas de souci. Je te vois à peine. On se barre en hélico, hein, de ce que j'entends de la conversation. Monsieur, vous savez ce que ça je vois l'otage. Il n'y a pas de souci, je vais chercher mon hélicoptère. Il y a un mec qui s'est barré la Douchka. La Douchka se barre. Je décolle une barre. Bien dans la zone, pas à l'extérieur, que vos snipers... Ouais, c'est pour les seuls. Et ouais. De toute façon, il y a un mec qui s'appelle... Allez, allez, chercher votre hélicoptère. Tranquillement, vous avez le temps. Donc les gars, pas trop le temps, mais vous comprenez. Je vais chercher mon hélicoptère, j'atterris à l'intérieur. L'otage est dedans. Bouge-toi, il y a plus que 5 minutes. Hein. Je sais. J'en fous, faut jouer le temps. Laisse-moi expliquer déjà. Donc, je prends l'hélicoptère, je vais me poser dedans, je prends l'otage, je donne l'argent. Et je redécolle, et apparemment, ils vont partir en hélicoptère. Parce qu'il m'a dit, on repart chacun en hélicoptère, chacun de notre côté. Ah, il joue la Douchka, ok. La Douchka, je peux la battre. Ouais, donc dès que j'ai redécollé, je donnerai le go et vous pourrez abattre. La Douchka, il est où la Rélico? Il est où la Rélico? Il est côté gauche, côté ouest. Et l'hélicoptère. C'est Steve. La Douchka, c'est... Voilà. Comme vous voulez. L'otage arrive, monsieur. Mais le truc, c'est que je veux que lui, moi. L'otage change de position. Je ne monte pas dans l'hélico tant que j'ai pas l'argent, mais je vous le laisse. Je vous passe là, monsieur, de l'argent. Il monte un hélicoptère. Dès qu'il est monté, je vous repasse un hélicoptère. Comme ça, chacun fait son pas. Hop, la réparation d'accord commun. Vous avez dit quoi, moitié-moitié, avant on et après le mec qui joue, pas 500 000. Comme ça, personne n'aura. Et dès qu'il est monté, je repasse 500 000 et on repart chacun de notre d'accord côté. Ok, je vois l'otage. Ok, ils sont derrière. Pas d'embrouille, chacun repart, pas besoin de battre. Descendre avec l'otage. Absolument. Donc je le peux, ouais. Donc, par contre, j'ai aucun lieu sur leur hélico, moi. Position prêt à partir. Moi, je suis ready, 200 mètres à courir. Allez, venez voir là. Tu dis quand tu veux monter l'otage dans l'hélico. Picard, tu dégommes la Douchka pour l'hélico ou l'autre? Allez, venez, monsieur. Bah, je peux voir que la Douchka, moi, que l'autre bouge. Donc, je vais vous passer les menottes pour... Il y a un mec dans le gros mirador. T'as combien de mètres, toi, Micha? Lequel mirador? Attendez, le gros, apparemment, il y a quelqu'un. Celui-là qui prend gaffe, parce que moi, je suis à 1 km. Il y a un mec qui va l'entrée. Je vais prendre la Douchka. Donnez-moi la mallette ou... Côté est. Près de l'hélico ou tout près de la tour? Près de la tour. Qui est en dessous de la tour, là, la Douchka.
À côté est, c'est pas moi. Là où il y a des frites. On va pas vous faire de mal, monsieur l'otage. Je vous donne 500 000. Okay, monter dans en fait, je voyais le mec parce que je le voyais à travers le mur. Merci, monsieur l'agent. Il a monté l'otage. Il a monté l'otage. Je donne l'autre moitié comme convenu. Attends que ça redécolle. Ah ouais, et qu'il soit long. Allez, 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 redécolle. Faut pas qu'on a trop redécolle. Donc, allez. Une fois que la douche est détruite, ouais, voilà, voilà, monsieur, comme vous voyez, on est en accord commun. Je redécolle, vous redécollez. Vous avez une parole, monsieur. Je n'ai qu'une parole. Ils vont vouloir de monter tous les deux en même temps les hélicos. Ok, ils vont décoller un hélicoptère. Ils vont partir en hélicoptère. Les douches-ca sont sur place. Tu dis quand t'es parti, tu dis quand t'es parti, Steve. Putain, ils vont décoller avant moi. Ça va décoller, ça va décoller. 3 minutes. Allez, go, 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 intervention. J'ai bien cru que c'était à la fin, monsieur. Intervention. Douche-ca détruite. Les douche-ca, il faut péter l'hélicoptère, péter l'hélicoptère. Ah, c'est bon, il est mort, il est mort, il pète, il pète, il pète. Ils sont morts. Bien joué. GG, GG. Là, GG. Les thunes. Quel tour. La grosse. Y'a quoi dans la grosse? Ce qui paraît, y'a un... Y'avait encore un homme tout à l'heure. Voilà, monsieur. Je peux avoir votre nom, monsieur? Dans la grosse tour. Merci, monsieur Steve. De ne pas m'avoir laissé crever là-bas. C'est mon ego, vous inquiétez. Qu'est-ce que j'étais le retour de l'hélico, on a shoot là. Moi j'étais sur place et j'ai des fourrailles juste en dessous. Ouais, je sais pas si... Quel bien joué. J'ai récupéré les 1 million, au passage. Bah tu me les rendras... J'ai fait une synchro, ouais. Je les garde. J'ai de la chance. Notre otage est mort, monsieur. Mais ouais, il a... Donc il y a encore des... Il me semble que c'est ça, là. Fais gaffe, il y a peut-être encore un mec tout en haut dans la grosse tour. Non, j'ai... Il y a moyen. Vous avez checké le petit mirador? Ils étaient 4 au début. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de moi dans la tour? Il y a du stuff dans la grande tour en haut là. Vas-y, continue. Il y a du stuff par terre. Continue l'observation. Ouais, c'est parce que le deuxième otage était ensemble. Je pense que c'est ça. Ok. C'est au champ de pêche quand ces individus me sont tombés dessus. Ah ouais, ouais, ne vous inquiétez pas. Ok. Ne vous inquiétez pas, ils ont été... Oui, au champ de pêche. Ils ont été abattus, vous inquiétez pas, ils sont en état de mine. L'étage, vous les avez eu? Oui, on les a eu au décollage. Ils décollent bien dans l'hélico. Ils étaient 3. 3, je crois. 3, et puis c'est la douche qui est mort, c'était 4. Ils vont pas emporter au paradis. Voilà, ça aura plutôt un enfer. Ouais, ils vont partir en enfer, ceux-là. Y'a personne, t'es sûr, en haut, Micha? Non, y'a personne. Ouais, j'ai personne, c'est bon, c'est bijoux tout le monde. Allez, je vous remène à Tira. Ok, j'ai des fours, vous les avez. Ça m'a une petite fumigène, ça. C'était sévère ce qu'ils sont, moi j'ai. Ils ont décollé. J'espère que vous avez pas. Ils ont décollé, ils sont redescendus. Oui. Je vous avoue que. Au début, j'ai vraiment flippé. Ils m'ont mis dans cette pièce en pleine nuit, je n'y voyais rien. Rien du tout. J'ai pas tiré une balle. Ils se sont morts tellement vite que...